Vous l'avez mis sans souci, sans problème. Ce qu'on appelle une chute. Purée. On veut que je fais des pompes tous les jours, putain. Vous l'avez mis sans souci. J'adore le week-end. J'adore. Mais c'est vrai, le week-end, ça change la semaine, quoi. C'est-à-dire que la semaine, c'est pas le week-end. Voilà. Alors, du coup, je peux me pencher sur des idées un peu existentielles, hein. J'ai capté tout à l'heure, j'étais sur face de bouc à, ou fermée de bouc à approcher Jacques du Nord. Eh ben, j'ai vu un truc qui m'a quand même troué le cul, hein. Pour une fois qu'il y a un truc qui me troue le cul, c'est quand même pas mal. Ouais, je sais, je l'avais déjà fait celle-là. Donc, ouais, parce qu'ils disent que d'ici 2020, le paquet de clopes, il sera à 10 euros. Enfin, moi, j'ose quand même dire que... Il y a quand même une majorité de personnes qui arrivent à foutre entre 8 et 10 euros le gramme pour semer de l'herbe euphorisante. Hein. Alors, je crois pas que ces gens-là, déjà, ça va leur faire chier de foutre 10 euros pour un paquet de cigarettes. Hein. En même temps, ça fait combien de grammes, ça Qui c'est qui a déjà pesé un paquet de cigarettes c'est pas... Enfin, j'ai encore tout le week-end pour réfléchir, hein. Dire, bon... je suis tranquille, toujours pareil, hein, tranquille, peinard. Il y a un an, j'étais tranquille, peinard. Il y a 2 ans, j'étais tranquille, peinard. Dans 10 ans, je serai tranquille, peinard. Hein. Dadou Canin est mort. Dadou Canin, pour ceux qui connaissent, je tiens à préciser, Dadou Canin est mort. Il a été bouffé par un chien. Alors bon, il m'a fallu du temps pour m'en remettre, tout ça. Hein. Ça n'a pas été évident. Hein. Alors maintenant, j'ai popo l'hippopotame. Et voilà, j'ai renversé tout mon café sur ma super descente de lit léopard. J'adore le week-end. J'adore. Ça aussi, j'adore, c'est génial. Ça fait 5 minutes. Ça clignote. Ouais, non, ça c'est pour mes soirées de grande solitude. J'ai l'impression d'être un petit peu en discothèque comme ça. Voilà, bon. Voilà, donc. Donc 10 euros le paquet de clopes. Hein. En même temps, je me rappelle quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes, il devait être à. Francs, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Alors, 7 francs pour les Jones, ça faisait l'équivalent. 1,50 euros, c'est 10 francs. Ça faisait moins d'1,50 €, quoi. Si à l'époque, on avait dit aux gens que. Il y en a qui paieraient 60 balles pour fumer des cigarettes, on aurait dit, mais ils ont craqué, ils sont fous. Comme quoi, le pouvoir d'achat, il augmente quand même. Ah ouais, parce que si il y a 20 ans, on n'était pas foutu de mettre 60 balles dans un paquet de clopes et qu'aujourd'hui, on y arrive, c'est que le pouvoir d'achat, il a augmenté. Bravo les politiques, hein. On critique, hein, mais quand même, je veux dire, si demain, on est capable de s'acheter des clopes à 10 euros le paquet... C'est que l'homme, il a quand même bien fait son boulot. Hein. Moi, je dis rien, mais je le dis quand même. Hein. De temps en temps, il faut dire des vérités vraies. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... on change pas une équipe qui gagne. Hein. J'avais encore passé un week-end extraordinaire. Mm-hmm. Je vais vous avouer un secret. Je vais encore passer un week-end extraordinaire au lit, mais seul.
Toujours seul, et encore seul, et encore seul, et toujours seul. Je veux bien les sites de rencontre, et maintenant même les sites de rencontre, là, tu payes partout. Hein. Tu payes partout pour avoir les mêmes connards qui te disent les mêmes conneries pour les mêmes plans à la con. Ah bah voilà quoi. Du coup, bah. Me reste plus qu'une chose à faire, hein, ce week-end. Je crois que je vais aller me toucher. Hein. Parce que, ben. C'est ça la vraie vie d'un. La vraie et dure vie d'un gay célibataire. Voilà. Oh, la belle vie, sans souci, sans problème. Sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne.